Derrière le candidat Fabien Dijoux se cache une suppléante combative. À 48 ans, cet architecte se veut référente de l'Union populaire républicaine pour la Réunion et membre du bureau national. Sophie Sénac insiste aussi, sans casier judiciaire. On veut que les élus soient bien propres sur eux. On ne veut pas d'élus qui aient eu un casier judiciaire. On ne veut pas non plus de candidats qui ont un casier judiciaire qui n'est pas vierge. C'est pour nous quelque chose de très important. Parmi les idées de Fabien Dijoux et de Sophie Sénac, la destitution d'Emmanuel Macron afin de répondre devant la Haute Cour de justice sur les frappes en Syrie, le retour au franc et surtout le Frexit, la sortie de la France de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe n'apporte pas grand-chose de bon à la France. On ne décide plus de nos politiques, on ne décide plus de notre monnaie, des variations éventuelles de notre monnaie, du coût de notre monnaie, et on ne décide pas non plus des conflits sur lesquels on va aller s'engager. Donc, d'un côté, on a l'Union européenne qui décide de nos lois, la Banque centrale européenne qui décide de notre monnaie, et l'OTAN qui décide des guerres. J'étais un pro-Europe, mais vu tous les traités qui sont sur l'Europe, là, aujourd'hui, tout ce qui est dans mes idées, qui sont plus du côté social, du côté de... Toutes mes idées ne peuvent pas être mises en place, dues à ces traités. Et je me retrouve confronté à chaque fois face à un décret, face à l'Europe, là, qui m'empêche de pouvoir vivre ce que j'ai envie de mettre en place. Autre mesure locale, la défense de l'amendement Virapoulet, un référendum sur l'implantation d'un incinérateur, sur la fermeture de l'hôpital de Saint-Louis, autant d'idées assumées lors de la distribution des tracts. Oui, des bonnes idées, je pense que voilà, dans les deux parties, je pense qu'il y a des bonnes idées. Après, il faut que ça soit mis en place. Un candidat et sa suppléante, sans casier judiciaire et revendiquant haut et fort le Frexit, le débat est ouvert, décision ce dimanche.